Balende Congolais télévision mbote de partout beaucoup dans d'abisso c'est net moment et singeli bosi mbayete actualité dans la République démocratique du Congo zali marqué sur la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo après bombardement et selema qui n'a quand de déplacer à Mugunga na na Goma et Payuapi ba Congolais nyonso de partout ba réagissa qui quant à cela et aujourd'hui la grande question reste de savoir la position il y a ba FRD c'est la position de l'autorité congolaise parce que déjà États-Unis a bossé communiqué et même à sali point et conférence des points et des presse et pas yopi a dénoncé à lobby clairement que le tueur c'est le Rwanda na bandi te tokola ksabi no toko illustrer les bino yango Bogota la conférence des presse aux États-Unis a sali et même toko tangela bino quelques résumés oyo et bimi na kati ya conférence des presse wana et yami balé lelo ezali ya kosimba été rencontre entre le chef d'état-major Christian Tchouo et la République démocratique du Congo, na chef d'état-major ya Uganda. Est-ce qui possible? Pourquoi? Parce que nous le savons très bien que le chef d'état-major ya Uganda zali neveu ya Paul Kagame. Est-ce qu'il y aura une solution qui va sortir de cette rencontre? Maître Fabrice Velanga, toujours été tant d'actualité zali et sengeli na moto oyo pour que tu aies un débrief et analyser l'actualité. Mon ambokambote na yo. Mbote mon ambokande ko journaliste. Na pesipe mbote na ba kongomani nyonso. Ba rolanda biso lelo na Congo Live. Na nzela ya émission. Na bandi ete situation politique et même situation sécuritaire. Et na RDC zali marqué na ba fait et fait. Ali boso oyoto ko beta masolo lelo et zali bongo. Situation eliki na Est République démocratique du Congo. Est-ce il y aura une paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ah oui, il y aura la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, tel que je l'ai toujours dit. Dans le PCP Mbote, dans le déplacé Nyon, sur l'Est de la République, parce que Bazali n'est-ce pas possible injustice orchestrée par le président terroriste Paul Kagame et le Ngona Siplétif Naye, Oyo. A bandi déjà pour recruter bah un civique local bah Corneille Nanga a bâti les sous sous bah Makenga Bangonyoso. Ce ne sont que des supplétifs du M23, mais le vrai combat est ali armée rwandaise mutazali pour opérer pour nakobo bah Congomani. Déjà au moni mokonzi ambo katan wa azala ki Libanda Kagame a pèsi toujours bah ordre naie et pas y a bah un civique ou ils allaient bas corner ils n'ont pas eu jusqu'au bombarder n'est-ce pas quand ils bas déplacer ils allaient actuellement route ils allaient condamner mais réplique qui a fait décès et causa la très mal parce que monter à puissance il y a fait décès dernier bas allaient qu'on s'est préparé et qu'on faire même et qu'on risquer même qu'on faire tomber régime il y a terroriste Paul Kagame. Nabandi était ba Congolais bazali ebele ba kolanda biso ce net moment et pour te baye ba été situation d'aller nenge nini na carte République démocratique du Congo et même ba diaspora ou balanda kabiso toujours de partout na Europe, na Asie, na Amérique en tout cas ba yi inquiet ya koye ba situation ni nenge nini na est République démocratique du Congo. Lelo oyo mona mboka. Yo moto ya mebeko to yibi été quand de déplacer za la ka na nature to na na loenge nango ya protection et ya non et violence to ko inviolé ango te melelo oyo acte o esalemi mona mboka est le lol la RDC singeli est touché ba instance judiciaire to est lancé enquête face ya bato oyo ba bombarder kan ya Mugunga. Enquête ya malamu to ko ki ko lancé ezali to ko singe déjà na futur gouvernement ezali ko ya peut-être déjà na semaine ou d'ici week-end pour y publier gouvernement. Donc, au sein d'un gouvernement, tant que vous avez investi, il fallait la République démocratique du Congo ayez pour appliquer, n'est-ce pas, article 51 de la Charte des Nations Unies. Article 51 de la Charte des Nations Unies, ils allaient couper ça, n'est-ce pas, pouvoir dans chaque État, la défense légitime, c'est-à-dire défense légitime. Et là, dans le lingue du terroriste, il y a Paul Kagame qui a agressé l'Est et la République démocratique du Congo. Les autres, ils ont été dans les 30 ans en complicité avec les assassins à conscience tranquille aux communautés internationales. Malgré les lobes, ils ont
vous allez comment dans ma fameuse déclaration oyonnette Union européenne a dit que ça là sans citer sans épingler le pays agresseur où ils allaient mbokaya Paul Kagame le président terroriste où ils allaient comment bah comment ni na est la république mais tokosenge n'est-ce pas dans Union européenne où ils allaient continuer à soutenir Rwanda. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, l'Union européenne a signé un accord avec Rwanda pour avoir or. Mais Rwanda a produit un or. Et ça, il y a or, il y a matière première, il y a Rwanda, il y a un militaire, il y a un maquillage, il y a un M23. Il y a un supplétif, il y a un proxy, il y a Nanga et consort. Abimisi bango liboso, o batuba mona ete, loko la, ba kongolende bazali ko bundisa mboka na bango. Or, ce n'est pas le cas. Toko senge na futur gouvernement ezali ko ya, application stricte ya article 51 ya charte des Nations Unies. Et puis, ce qui o senga ko bombarder, nous allons bombarder parti estoyo, ba terroriste ya Paul Kagame bazali. Et nous allons, là vraiment, nous sommes très déterminés. Le chef de l'État a été clair qu'il y a une guerre qui se dessine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, qui est ce qu'on dit, l'atrocité, il y a un régime, il y a un kabiliste. Ils ont un projet, et ils ont continué à faire parce qu'il y a des vies humaines. Où est allé Koukoufa na est la République démocratique du Congo. Na bandi été et ba congolais ba kozela et retour ya pe na kati ya République démocratique du Congo surtout na partie est ya République démocratique du Congo déjà bombardement des civils déplacés au camp de Mugunga à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour les États-Unis, les tueurs c'est le Rwanda. Le gouvernement congolais doit enquêter sur cet acte odieux et demander des comptes à tous les responsables et nous les leurs avons clairement fait savoir. Là, les alliés bongo autorité américaine, la conférence de presse, bah, Zui Maloba, bah, indexé Paul Kagame, Oyo, Union européenne, à Kokiko Salaté. Mais l'élo, est-ce que les États-Unis commencent un peu, y a pour comprendre, bah, donner, la carte d'Italie à faire diplomatique entre les deux pays? Non, non, les États-Unis ne commencent pas à comprendre. C'est-à-dire, les États-Unis, Bazali, n'est-ce pas? Bateau yo babandari ko soutenir topé bazali ko soutenir toujours les terroristes Paul Kagame. Fameuse déclaration aux États-Unis, moi ça me dit franchement rien parce que c'est le même États-Unis où bazali ko soutenir armée rwandaise Mandela ya terroriste Paul Kagame. Ils allaient juste hypocrisie où bazali ko tie na misu ya ba congolais. Ba mon a été lokola bango ba comme ko soutenir ba congolais pendant que le même pays États-Unis bazali ko contribuer, n'est-ce pas, dans l'atrocité, il y a Est et la République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai dit? Les lots, par exemple, Bitumba, Oyo, Tozali Kosibi, les lots, agression dans Est et la République démocratique du Congo, Tozali Kopoussa, dans Malembe, Malembe, dans 30 ans d'agression, depuis Mbo Kanabiso, dans Zela, il y a Est et la République, Tozali agressé, bah, Congolais, bah, Koufak. Mais depuis 1996. Oui, mais c'est juste avant l'arrivée à. Il y a régime passé où ils allaient il y a Kabila. Tout à fait. Ma kabiliste, quand je parle des kabilistes, Boebi et Bandaki na Mouze, on t'a côté ça, Bango, qui n'ont pas continué 18 ans et consort. Kassilelo, le même pays où ils allaient, États-Unis, où ils allaient les fameuses déclarations d'hypocrisie, ils allaient qu'on citait Rwanda, mais pendant que Rwanda a bombé le Congomani, il y a cela 30 ans, ils allaient qu'on va Congolais, ils citaient la Bangote. Et les lots comme on a par exemple Bitumbao Tozali Kopusa na Malembe Malembe, deux ans entre Russie et l'Ukraine. Mais vous voyez comment les États-Unis Azali ko fournir na ba moyen matériel, na moyen financier Azali ko pesa Ukraine pour ba ko répliquer contre Russie. Malheureusement ce dernier a ko se retrouvé à ta États-Unis Azali ko contre parce qu'il y a tout simplement l'hypocrisie. Est de la République démocratique du Congo est agressé il y a cela 30 ans par les Rwandais. États-Unis, Baébi, en haut. Et dans le Conseil de sécurité, quelles sont les sanctions prévues contre les Rwandais? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je ne pense pas, déclaration, fameuse déclaration, il y a Union européenne, il y a États-Unis, et consorts, et qu'on peut servir cette solution. La seule solution,
c'est l'application stricte de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Dès qu'on fait ça, révolte, dès qu'on fait sa force dans l'autorité de l'État, dans la République démocratique du Congo. Et après, dès que tu as là, ce qui est au Sengenabi, ce déjà dans le Bakayango, avant chef de l'État, ou tu as le Bakayango dans Liban, dans il y a quelques jours, dans le Baka, la République démocratique du Congo, à la lire où vont les choses, nous allons migrer. Et migration, la biso et au Sengenabi, qui est dans le pays, et la puissance, et les cas sous examen, ils allaient le rôle à reçu dans Chine, dans le Bakayango, je crois que c'était. L'année passée, en 2023, et le président l'a confirmé il y a quelques jours, que les Européens, ce ne sont que les hypocrites. Ce ne sont que les hypocrites. Les Européens, Bazali, le col à caméléon. Ce qui a eu, à Kouti, au Latier, la Baya Rouge, à Latier, la Baya Rouge, mais en réalité, Bazali n'est la Baya Rouge. Ce sont les Européens. Et cette fois-ci, nous allons migrer vers la Russie dans les prochains jours. Alors, déjà, que... Toko kende na Russie. Ah oui, Toko kende na Russie. Dans le bar, déjà, année passée, en 2023, Toko kende na Russie. Et le président de la République a été clair. Et le président de la République l'a dénoncé. Le président de la République l'a déclaré en Europe. Je crois qu'il est là qu'il est en France. Chef de l'État. À lobby, la terme à partenariat, de diplomatie, la Russie et la Chine, Bazali, bienvenue parce que Bazali Kokota n'apporte à mon aîné au Ezali l'État congolais. Contrairement aux Européens, au Bazali Kosela, Bazali Kosale Layango, na proxy, il y a terroriste Paul Kagame, au Bango Batiawana, au Aïba Kabilo, qu'on a dit, par exemple, les lots qui aujourd'hui dans la technologie, au commun dans le cas la Apple, azali ko sali la makila ya ba congolais, na ba produit na ye. Oh déjà l'État congolais a indexé, voilà. Azali a mené déjà enquête contre société où il y a Apple, où il y a ba iPhone, ba, voilà. Ba Mac, nyoso. Et au commun na été makila ya ba congolais azali na kati, et commun na biloko ya bongo azali malamte, parce que les lots ba ukrainiens, bazali ko kufa. Il y a cela des ans, mais réplique Ezali total. Je ne sais pas, parce que Ezali bah européen, parce que Ezali soi-disant, bah considérata par rapport à Bisso, bah Congolo, bah Zali, bah Est et la République. Moi, je vais demander au chef de l'État l'application stricte de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Réplique Oyo Bisso Tokosa là. Et qu'au sein d'un même régime rwandais et queer. Parce que au Rwanda, je ne peux pas parler du Rwanda, mais ce qui n'a pas eu que le Rwanda n'a pas la population et non n'a pas le régime sanguinaire, Rwanda a eu que c'est bien, ou il y a eu que tout le monde a eu la torture et la casse, la démocratie, et qu'au sein d'un régime terroriste Kagame à Kende, et réplique qu'il y a FARDC. Et cause à la pitoyable parce que bah pays est belé dans Europe bah cause à la privé n'a avantage dans cadre de la République démocratique du Congo parce que bah Zali bah partenaire sincère. Na bandi était bah congolais bah cause la rencontre et les camouniers kobima entre les chefs d'état major général y a République démocratique du Congo Zali Bongo Christian Tshiwewe ou Zali Bongo la rencontre la chef d'état major y a Ouganda Zali Bongo Mwozi Kanerugundaba est d'abord mon ami Fabrice Belanga Isingila qui rencontre Anaïsala. Aussi longtemps on connaît que les chefs d'état-major il y a Ouganda Zali neveu il y a Paul Kagame, est-ce qu'il y aura quand même des choses au Ekobima au profit de la République démocratique du Congo? Ah oui, hein? Et Isingila qui peut rencontrer Anaïsala. Isali rencontre quand dans le lengue bah tu vas comment en photo ou vidéo t'es. Mais c'est tout un message direct vers l'Ouganda qui va passer. Chef d'état-major congolais a passé un message direct dans l'Ouganda. Parce que ce n'est pas que les Rwandais qui nous agressent. Les Rwandais et l'Ouganda sont en complicité. Ils ont été agressés, ils ont été agressés. Et ceux qui ont été chef d'état-major, ils ont été Christian Tshiwewe. Ceux qui ont été chef d'état-major ougandais, c'est juste pour lui passer le message. Parce que vent, ils ont été
à commencer d'ici là et qu'on est même na Uganda et ça peut faire sauter même des fusibles ici na Uganda et régime mimi balewana ekoya parce que oyebi terroriste Kagame avant à renverser pouvoir rwandais et pas il y a président Habyarimana oyebi que régime il y a terroriste Kagame ils allaient soutenir et pas il y a papa il y a général Museveni donc Museveni à Parina déjà mort il y a Habyarimana nanzela il y a terroriste Kagame ce n'est qu'un terroriste a bandi en haut les lotés et ceux qui ont tali même génocide rwandais ils allaient qui créer tout simplement dans Paul Kagame mais cette fois-ci le message de la République démocratique du Congo via son chef d'armée, ils allaient message à la directe que non, vas-y dire, na Rwanda, koya biso to zali koya, ils allaient koya ya ya ba ibu, omoni, ibu, bon, na kozwa le rôle à aigle, aigle ata soki azali likolo, soki a ciblé yom toza na se amai, akokita azuyo akeinal, et c'est le cas, offensivo ils allaient koya dans FARDC et qu'on a la déterminé il y a des options et il y a des points à mettre en terme c'est-à-dire tous à la na eloko moko ligné moko biso to kolanda ce qui balancé en haut il fallait et que ne ko détruire bisika mabe zali ko uta et bisika mabe zali ko uta c'est les terroristes Kagame donc c'est là où je vous dis ici bato bazali ko mona FARDC zali faible FARDC zali faible était FARDC azali ko épuisé d'abord en termes il y a stock azali ko épuisé stock il y a ba terroriste il y a Paul Kagame azali pe ko épuisé stock na bango na nzela ya ya effectif en termes d'hommes bazali pe ko zala déjà épuisé parce que ce qui olandi même bilan depuis ba atrocité na reprena ki na nzela ya ya proxy ya M23 ba terroriste monde qui basali kokufa et il continue de recruter mais tant obiso to ko lancer ba offensive et ko kineti na destination et sa destination izali voir les terroristes en personne lui-même le lengo yoka ki chef wa lobaki je vais rencontrer Paul Kagame pour lui dire tu es assassin tu es criminel c'est izali message yo ezala rencontre wana il y a des gens qui peuvent n'est-ce pas réfléchir dans le Roloba non chef de l'État aligné ce soir Koutanana Paul Kagame oui bakoyi kokutana koyé bisayé ndenge to kutani ezali kokutana ya souka tant o kutanana ba soldat na ngai o ezali FARDC o ozala ici sur na bon moité ezali message diplomatique message chef de l'État lansaki ba kongomani bo continuer ko soutenir yé parce que offensive e kozala mabé régime il y a Rwanda où ils allaient battre terroristes et cochiti. La bande était ba congolais ba causer lango parce que les chefs de l'État est coursir séjour na yen Belgique à Zonga Yibongo na République démocratique du Congo pour que aille ba ko s'imprégner de près et situation ils allaient coléka na Goma déjà dans les jours à venir awa yemoko les chefs de l'État va faire une descente na Goma pour que à s'enquérir na situation et à palper du doigt réalité et longo na population gomatracienne mobimba chef de l'État azali bongo attendu na Goma pour que yemoko akoma sur le terrain est-ce que vous avez ouf de soulagement pour la population en Anyoso non et vous avez la soulagement mais yamakasi parce que lelo Goma est commis vilo yo ezali beaucoup plus fréquenté Vilo et Zalipe, beaucoup plus, n'est-ce pas, envié. Dans Zela, il y a ma terroriste et Nabiso. Ou et Zali, bah, c'est plétif, il y a armée rwandaise. Bah, Zali, qu'on visait Goma. Mais, Namayana Zali, Nabanaki Koloba, Goma ne tombera jamais. Kasiba offensive, ou et Obiso, dans Zela, il y a armée de relancer. Kigali, et Rosala, les soutiens. Ils ont dit message au gouvernement et bimo. Moi, je suis un gouvernement et bimo. Gouvernement et bimo. Ils ont investi. Comme ça, on va se mettre au travail pour soulager la population congolaise. Surtout, il y a STA République au Lelo. Il y a cela 30 ans. Je suis un kaka. Mais tu peux imposer PO et Rosala Total. Et tu peux imposer
kokot sa ba atrocité wana te oyo bande kolangai lokola ba maman ba papa bilenge ba komi kokufa kufa il y a cela 30 ans solution ezwa makate mais cette fois-ci dans cela ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il y aura une paix durable. Voilà. Il y aura une paix durable. La bande était maître Fabrice Tokosuk Salambiso Awa. Dossier à mon ami Augustin Kabouya, CG, il y a IDEPES, S, affaire à Badji. Ils ont la tentative, il y a corruption. Nous avons Montami Beko. On peut répondre à Bissou et tant que Montami Beko. S, tentative, il y a corruption. Ils ont la carte d'affaires, Jeep. Et Augustin Kabouya, là-bas, député provincial à Kinshasa. Augustin Kabouya, secrétaire général, il y a IDPS, il y a Bissou. Bon, tout en étant un démocrate, tout en étant aussi, n'est-ce pas, un scientifique, parce que tout en étant également un Congolais, j'ai été aussi, n'est-ce pas, le candidat aux élections où le secrétaire général il y a IDPS a ébattu pour qu'on soulevait tout récemment, et on l'a été, après si Bango, Mituka, parce que j'allais être candidat naé, tout bas député naé. Bon, je vais dire ceci. La question autour de Ngaï, moi je ne suis pas d'accord. Parce que je n'ai jamais été d'accord, dans la liste scientifique. En dehors, il y a politique, où il y a tous les partager les mêmes idées, je respecte les statuts, je respecte le règlement d'ordre d'intérêt à IDP, sur les alliés à Bissot. Naboui en haut, mais la sortie médiatique qui a secrétaire général, il y a IDPS. J'ai toujours fustigé ses comportements. Les alliés comportements à Malamouté. J'avais même condamné la fois passée à sali communication, yotobengaka communication ratée. Les alliés qui sont en Mbokate. Et Sengi Nabisoto sont en Mboka. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, j'avais même appeler la justice, n'est-ce pas, d'élargir les enquêtes, de poursuivre les enquêtes. S'il faudrait même aller toucher au sommet, il faut les toucher. Le secrétaire général de l'IDPS n'est qu'un secrétaire général d'un parti politique, un fait privé. Et même Ngaï Nazali, membre d'un parti politique, où ils allaient fait privé, à la contre de la loi, où ils allaient imposable à tous. C'est-à-dire, na motuna otuningai ce qui ezali tentative il y a corruption tout bien. Moi je dirais ezali corruption tout simplement parce que na corruption tozali na déforme il y a corruption tozali na corruption o ezali passive tozali pe na corruption o ezali active. Dans cela il y a corruption passive déjà je l'ai dit ici le secrétaire général de l'UDP l'a fait l'a commis. Les alliés infraction. Parce que la passivité, n'est-ce pas, secrétaire général de l'IDPS, Azala qui n'attend, avant ma ponomie, aïeba copé sa ba député provinciaux, ba dit, là, ça allait être mieux. Mais pourquoi, à la veille des élections, c'est-à-dire, je peux dire, un jour, voilà, 24 heures, 24 soit heures. 24 heures des élections, ok, copé sa. Bah, élite du peuple, n'est-ce pas, Badji, pour Nakolobaïté, Botambolara. Non, non. La corruption, je l'ai toujours condamnée, parce que au regard de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Même le président de la République l'a dénoncé, qu'en disant la corruption devient, n'est-ce pas, le mode de vie en République démocratique du Congo. Ça dit à dénoncer qui en haut. À lundi, à Yokipe, Maïbiso Tosaliko dénoncé. Moi, j'invite la justice, n'est-ce pas, d'inviter Augustin Kabouya, de l'interroger, de savoir et de connaître, n'est-ce pas, l'origine. Et si Kamon Oye a des Kisaki, pour n'en profiter à Badi Pouana, parce que je l'ai dit ici, jusque-là, nous cotisons à l'IDPS. À l'IDPS, nous cotisons. À l'IDPS, toutes nos cellules de Kinshasa, ceux qui ont okay, je peux même vous inviter ce dimanche dans. Na cellule moro na rosala to cellule na zalara comme d'habitude au comment on a été les combattants nous-mêmes nous payons l'argent de la chaise
les combattants eux-mêmes cotisent pour l'avancée, n'est-ce pas, de la structure, soit de la cellule. Et moi, je ne peux pas accepter, secrétaire général, il y a IDPS, à l'obaïté, ngai na sombeli ba député mbongo, c'est-à-dire bisoto kotizaka, yé a sombeli ka ba député mbongo. Ils allaient raison té. Moi, j'invite la justice d'élargir, n'est-ce pas, ces enquêtes, qu'ils soient entendus, tels qu'il y a d'autres congomanes qui veulent la séquer. Les cardinals soient également entendus. Moi aussi, si j'appelle à la justice, s'il faudrait entendre, n'est-ce pas, les cardinals en Bongo, il serait plus mieux d'entendre le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabuya, parce que quant à lui, c'est plus grave. C'est plus grave, je dis bien plus grave. On ne peut pas accepter la corruption à outrance de cette manière. Ce n'est pas l'IDPS qui peut corrompre. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas l'IDPS. Et nous ne sommes pas corruptibles. Lui ne peut pas, n'est-ce pas, réputer l'image de l'IDPS comme des corrupteurs. Ils allient phénomène Yamabe. Moi, je condamne ça, je dénonce ça. Justice et Salamoussala. Ceux qui justicient, et qu'il y a le cardinal Ambongo, et bien après, Augustin Kabuya et Yokaye, parce qu'il y a des dupes qui sont saisis jusque-là. Il fallait pas identifier l'origine Yamadipoana. Et ici, je l'ai dit, je ne vais pas soutenir les gouvernements provinciaux de Kinshasa. Parce qu'ils ont les gouvernements issus de la corruption. Ça, je l'ai dit ici. Ah, lorsque oui. le gouverneur a été candidat, n'est-ce pas, candidat indépendant, mais sorti de l'Union sacrée, moi, je ne peux pas accepter de voir des députés provinciaux, bah, j'ai dit, bon, raison, ils allaient, bah, tant moula rana, na ba moto, bah, tant moula rana ma couille. Est-ce que les députés provinciaux, bah, tant moula rana moto? Mais c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce que vous avez suivi. Vous avez suivi. Ici, je l'ai dit, moi, je ne vais pas soutenir les gouvernements provinciaux de Kinshasa. Parce que, ils allaient, to et kozala, gouvernement et kozala, issus de la corruption, y a bah, dit, moi ici, je ne soutiendrai pas cela, mais j'appelle aussi la justice, n'est-ce pas, d'annuler les élections yaba gouverné na ba sénateur ya ville ya Kinshasa. J'appelle aussi, j'invite la justice ba annuler ba élection ya ville ya Kinshasa. Et s'il y a eu la corruption dans les autres provinces restantes, telles qu'on a appelé juste en face de nous au Congo central, que le ministère public d'ici ba e ba pe ko annuler, n'est-ce pas, Maponomi, Oyo et les Kakipé, la province, c'est la ville, la Bissouya, Kinshasa, va annuler l'élection, va reprendre. Comme ça, nous verrons si les dupes données par les élus provinciaux, ils ont acquis cadeau, et comme ça, on verra, et aux élections qui seront peut-être annulées par la justice, ceux qui peuvent élire la même personne, et cause à la malade. Voilà. Quant à moi, pour laver ce phénomène, il faut que la justice se saisisse, annule les élections. Il y a ville, il y a Kinshasa. Bah, annuler en haut. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire à l'avenir. Mais quant à lui, Augustin Kabuya, je ne soutiens pas sa sortie médiatique. Moi, je ne peux pas cautionner. Je suis juriste de formation. Je ne suis pas là pour dire oui à la place de dire non. S'il y a à dire non, je vais dire non. S'il y a à dire oui, je dirai non. Nous avons des formes de corruption, la corruption active et passive. C'est-à-dire, c'est une corruption. Voilà, la bandi était ba congolais de partout au Rwanda biso to kosuka na biso awa, mette Fabrice 30 secondes message dans la population congolaise. Message dans la population congolaise, premièrement, merci de nous suivre sur Congo Live Télévision. Tout à fait. Après Simbo TP na journaliste, na n'est-ce pas technicien pe ya chaîne. J'appelle aussi à la conscience des Congolais. J'invite les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de veiller à ce qu'au prochain gouvernement, à sa publication, qu'il n'aille pas, n'est-ce pas, le président des partis politiques, les présidents des regroupements politiques, et il faut aller plus loin, même les élus. Celui qui a déjà été élu député national, député provincial, entre guillemets, sénateur, base à la paix dans le gouvernement, parce que Barossa là est l'autre côté. Et cette fois-ci, j'invite aussi les chefs de l'État
à la place de la jeunesse, ce qui jeunesse vous allez représenter dans le gouvernement, j'invite le chef de l'État personnellement et la première ministre chef du gouvernement de lire préambule, n'est-ce pas, de la charte africaine de la jeunesse. Où ils allaient qu'on définir jeunes locaux là. Moutou et Oazali, qu'on banda 15 ans, qui n'ont 35 ans. Ici, je l'ai dit, monsieur le président de la République, s'il y aura des jeunes au prochain gouvernement, alors, si les jeunes, il aura l'âge des 35 ans. Mais s'il y aura des jeunes, entre guillemets, comme les Congolais le disent, des 36 ans, 37 ans, là, il n'y a pas la place de la jeunesse. Nous voulons avoir le jeune des 35 ans en descendant, ça serait plus mieux. Merci beaucoup, Maître Fabrice Belanga et M. Céline Ango. Déjà, Awa, oui ou non, Auguste Kabuya a corrompre. Mais je l'ai dit oui, j'avais déjà répondu. Kabuya a corrompu les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Et M. Céline Ango. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais mon biscuit à bouquet et Nali. Tout ça au Bika, la catégorie de pression, tout ça au Bika. Na tosaka chef de l'État, na bikaka na loi, na za soumise, to soumis, na ba 20 dollars, to 10 dollars, il y a n'importe quel politicien. Aucun politicien ne me donne 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, allant. Azade, ce qui a zali, aya ko répondre, to atindabat. Aucun politicien ne me donne son argent pour faire ce que moi je fais de la défense de la République. Après bah, même les chefs de l'État. Après ma réunion, ma disoine et bimanga, il peut y avoir des Kabuya aux autres. Dans un Kailo comme mon côté, j'ai même le numéro de Kabuya, je peux appeler. Ceux qui ont 10 dollars, qu'ils me disent que non, tu as reçu mes 10 dollars. Azate, à cause à la pété. Merci beaucoup, Maître Fabrice.